Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog avec nous. On vous amène dans ce jour. Il est un peu tard parce que j'ai dû tourner, j'ai dû faire le montage de deux vidéos. Une que vous voyez aujourd'hui, vendredi le 16, et une que vous allez voir soit samedi ou bien dimanche. Donc, ce qui fait que j'ai presque pas dormi de la nuit. Comme je vous avais dit, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, j'ai eu un problème avec mon ordinateur. Donc du coup ça a été difficile, je l'ai récupéré, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc j'ai fait des montages, après ça c'est parti. Donc en tout cas, Prendre la direction nord vers West Wellane. ça a fait que ça m'a perdu du temps et puis j'ai perdu plus de temps. Donc là il est 14h, non il est 13h43. C'est Cet 14h43 ou itinéraire évite un 13h? ralentissement sur Interstate 495 East et un autre sur 14h43. State Ah, il est Highway 14h43 295. et là Vous êtes on sur prend la route l'itinéraire pour le plus rapide. notre Vous première devriez arriver à destination. On en a pour, 19h16. ouf quand même, on en a pour 4 heures de temps. Donc, devinez, première destination, ça commence par P. Mets pause à la vidéo, écris en commentaire ce que tu penses. Bon, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu, on est arrivé hier soir. Du côté de Washington aux États-Unis. Et donc là, on va chez un cousin à mon mari pour le week-end. Et on en a pour 4 heures. Et on va, ça commence par la lettre P. Donc je crois que je vous ai donné assez d'indicatifs. Mets pause à la vidéo et tu me mets en commentaire. On ne sait jamais, ça peut arriver que s'il y a beaucoup de gagnants, que je fasse un concours. Donc, allez, je vous prends après. Là, comme j'ai dit, je vais essayer de laisser mon visage respirer. Donc là, j'ai même pas mis de. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas poilu, hein. Donc, j'ai pas même les sourcils. Il faut que je les trace parce que je les ai pas. C'est pas rasé. C'est juste que je suis pas poilu. J'ai rien du tout. Et alors là, j'ai essayé de laisser ma peau respirer. J'ai pas de maquillage. J'ai absolument rien. Mais j'ai juste. Prendre la direction sud vers Wynwood Lane. J'ai juste fait ma skin routine. Et puis c'est tout quoi. Donc. À tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer des petits bouts de route. Et puis, on va arriver vers 19h. Donc, ça va être tard un petit peu pour vous montrer la ville. Mais ça sera demain ou dimanche, la ville. Parce que de là-bas, on va aussi aller visiter une autre ville. Mais vous aurez l'occasion de le savoir. Petite pause. On est un peu. On détend un peu les pieds parce que j'ai mes pieds qui sont un peu gonflés. Je ne sais pas si c'est dû au voyage hier parce que j'avais un petit peu mal au mollet hier dans l'avion. Donc je me dis sûrement parce qu'on a fait 8 heures au lieu de 6 heures. Et pour éviter les thromboses, les trucs comme ça là. Donc j'ai un peu peur par rapport. Mais bon, je pense que c'est rien. Bon, on reprend. Ah oui, ici là, ils ont le genre de voiture là, la poste. Comme ils doivent sortir tout le temps pour livrer dans leur voiture, n'a pas la Dans porte. 600 mètres, à gauche, Oui. 250 C'est lui qui passe est. 301 East vers Annapolis, Bay Bridge. On le voit, mais on ne voit pas. Je ne sais pas si on va le. Ils n'ont pas la porte parce que en fait ils livrent tout le temps, c'est UPS, ils livrent tout le temps, ils sont en train de sortir. Donc ça fait que par rapport à ça, il n'y a pas de porte. Allez, Agandas. 2 pour 11 dollars. Regarde, différentes sortes de bonbons. On n'a pas l'urgence en Europe. Quand on va se poser quelque part, on va acheter quelques. On va faire une vidéo de ce qu'on a acheté pour goûter. Oui, pour goûter. On va goûter, donner notre avis. Tu vois, par exemple, des trucs comme ça, trolley électrique, des trucs comme ça, on va acheter pour donner.
Moi j'aime trop ça. Ça. Mais ça, ça existe déjà. Ah, okay. Ça existe déjà. Regardez comme ça. Des chips, des cheese. Comme ça. Pourquoi mon poulet? Le poulet. Ah, c'est du jus de pastèque. On n'a pas attendu. Jus de pastèque. Alors, du jus de pastèque avec. Du sucre. Ok. Ça serait très bon. Vous allez goûter, vous allez me dire ce que vous pensez. David, regarde ce que tu peux m'amener. Wow. Ça, c'est la mer. On arrive bientôt dans une minute. Petit home tour. Je reposer à mon mari. On a une grande chambre pour nous. Les enfants aussi ont une chambre pour eux. Ça, ça doit être les placards. Ouais. Aux États-Unis, c'est les placards. Ouais. Chambre des Gloria. Moi je me mets là et David se met là et on regarde la télé. Ça c'est notre chambre. Oh my goodness. Oh my goodness. Ok. Toi tu te mets là, n'est-ce pas? Comme ça tu dormes tout le temps. Ok, on y va. Allez, c'est long. Alors, monsieur, tu peux voir. Voilà, c'est là. Voilà. C'est Titi. Ça c'est la cathédrale. Comment on dit la cathédrale? C'est l'église.
C'est le confessionnal. Donc tu viens, tu te mets à genoux là. Et puis maintenant, le prêtre se met à l'intérieur. Et puis tu parles sur le petit truc si blanc. Et puis tu confesses tes péchés. Ça, c'est chez les catholiques. Tu confesses tes péchés au prêtre. Donc, comme on dit, un peu à Dieu. Et lui, il va te dire que Dieu te pardonne tes péchés. Et il va te dire les versets de la Bible que tu dois lire. Dans une église catholique. Tu vois, le prêtre, lui, il entre ici. Le prêtre entre ici, il s'assoit. Et toi, tu te mets ici à genoux. Et puis, tu lui parles. Donc, il y a ici ce côté et ce côté. Après, les églises catholiques, c'est toujours comme ça. Ils sont toujours magnifiques. Hein? Et pour nous, c'est une deuxième maison. Voilà. Parce qu'avant, il y avait le catholicisme, c'était plus au catholicisme. C'est après qu'il y a d'autres personnes qui sont sorties. On dit qu'il n'y avait plus de catholicisme. Maman. Mais c'était pas qu'avant, c'était que le catholicisme qui venait. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de. J'ai plus de bras. David, ne me dérange pas. Mais c'est vrai, j'ai plus de bras. Magnifique église, je trouve. Ça fait comme les églises un peu en Italie qu'on a visitées. Oui. Magnifique. On va allumer un siège. Ah, il faut $2. On n'a pas de pièce. C'est ce genre, ce qu'il y avait partout. Oui, partout. Alors que maintenant, avec le temps, ils ont enlevé, ils ont caché ici. Et ils ont mis tous les autres trucs maçonniques. Tu vois, d'où tu vois l'enfant, un peu comme l'enfant, c'est le sacrifice de l'enfant en fait. Dans le marché qui était là devant là. Et tout ce que tu vois les mamans avec les enfants, ça veut dire qu'on sanctifie un bébé en fait. Mais ça, c'est le plus important. Qui représente vraiment la croix de tout ça, c'est sa maman. La scène, sa maman qui pleurait. Et le soldat romain qui avait vu la puissance de Dieu et qui est venu à côté d'elle maintenant, toucher un peu comme ça pour se rassurer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est très important. C'est la différence parce qu'il y a le cours d'hérédité, il y a là où tu appliques la licence. Tu te maries, tu appliques d'abord pour la licence. Et tu as appris pour la licence, je pense que c'est 60 jours avant. Parce que quand nous, on devait partir à la mairie, on est venu ici avec Darius appliquer, prendre nos photos. Parce que c'est le temps pour eux de vérifier si personne, genre, s'il y a eu des mariages avant et tout. Avant. Pour se rassurer que bon, ce que tu as dit, c'est vrai quoi. Parti pour le sport. Déjà en arrivant, on a fait du sport. Quand on arrive, on fait du sport. Mais en vrai, ça marche sur le stade. Donc là, on est au Philadelphia Museum of Art. Donc on va monter les escaliers, c'est à peu près, je crois. On va monter 60 escaliers. 75 comme ça, escaliers pour arriver donc au niveau du sommet là-bas. Et ça me fait penser en fait à la tour Montparnasse à Paris. On monte, on monte, on monte. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là-bas où il y a des gens qui sont en train d'attendre, il y a la statue de Stallone, la statue de Rocky. On va passer par là parce qu'on va pas faire le rang pour regarder tout ça. Pour aller juste se filmer devant la statue, on fera pas le rang. Je vais vous filmer un petit peu de loin. En fait, pour la statue de Rocky, on nous a expliqué qu'en fait, c'est pas vraiment Rocky, mais c'est parce que Rocky, dans Sylvester Stallone, il a tourné à Philadelphie. Ouf. Et il a été sur ce monument. Mais ça et va, donc, c'est quand même moins d'escalier qu'à Paris. Ça a dit que c'est le monument de Rocky, mais normalement, c'est un monument de la ville. Il ne représente pas vraiment Stallone dans Rocky, quoi. Ah, là il y a 72 et au-dessus, plus ceux d'en haut, là il y a encore des escaliers là devant.
Ça fait du sport. Je vois pourquoi il y a beaucoup de gens en fait qui font le sport ici. Parce que, ouais, monter les escaliers, descendre. Et comme il y a assez d'espace en fait, donc les gens profitent, font leur sport ici. Et c'est magnifique. Heureusement. Oups. Mais oui. Je dois me remettre au sport parce que vraiment, tous les kilos que j'aurais pris pendant les vacances ici, je me sens essoufflée. Donc je sens que il me faut reprendre le sport. Dès le retour, il me faut aller à fond dans le sport. Maman, oui. Qu'est-ce que tu as à dire aux abonnés? Tes abonnés. Que la Pennsylvanie, nous sommes à Philadelphie, en Pennsylvanie, et c'est une ville super belle. Là, nous sommes au Muséum d'art de Philadelphie. On vient de monter à peu près, on va dire quoi, 90 étages pour arriver au niveau du musée. Et on trouve ça magnifique. Donc, on vient de monter les... C'est presque 100 étages hein, qu'on a monté. Donc, pour arriver au sommet, et au sommet, on voit vraiment la ville d'en bas. Donc, comme je disais, nous sommes à Philadelphie, en Pennsylvanie. Et c'est une ville magnifique. Et comme je dis toujours, ce que j'aime aux États-Unis, c'est le fait qu'ils ont gardé la nature. Que ce soit en ville, que ce soit dans les petites routes et tout, vous allez toujours voir tellement de verdure. Tellement de verdure. Quand on voit par exemple en Europe, en Afrique, où il n'y a presque plus de verdure, je trouve vraiment que c'est vraiment dommage. Ici, là, vraiment, ils ont gardé et ils tiennent à cela. Et je trouve ça vraiment magnifique. Donc. Je vais rentrer. Ok. Ah, donc le musée c'est intéressant, c'est 30 euros par adulte et c'est free pour les enfants. Donc, mais nous aujourd'hui on n'aura pas la possibilité de visiter le musée parce qu'il n'y a pas de place pour garer, comme vous savez. Et j'ai ma belle-sœur qui nous attend dans la voiture, donc on a vu juste la vue. Et là on va aller, ah, et là on va aller voir parce qu'il y a la statue de la liberté. À New York, il y a la statue de la liberté et ici, là, il y a la cloche de la liberté. Donc là, on va aller dans la cloche de la liberté et je vais vous faire un petit peu, vous montrer un petit peu le monument là de Rocky où les gens font la file pour se filmer. Mais nous, on ne va pas faire la file parce que bon, je vais juste vous montrer, mais ça ne m'intéresse pas tellement. Mais bon, c'est un petit peu ça. Allez, à tout à l'heure. Oops. Donc après ça, ma belle-sœur nous a amené dans un très grand mall et c'est le deuxième plus grand mall de tous les États-Unis. Parce que c'est la première fois que je vais dans un mall. En même temps, il y a les grandes marques comme Chanel, Dior, Louis Vuitton et consorts. Donc, mais il faut savoir que ces magasins coûtent excessivement plus cher aux États-Unis qu'en Europe. Donc, on a juste fait du lèche-vitrine parce que c'est du tout pas avantageux. Donc, moi, je cherchais la crème Fade Tropical qui était à...
Je l'ai acheté à $40.50 et j'ai regardé par exemple la crème de nuit Caudalie. Ici là, elle était à $63 à Sephora aux États-Unis, à New York, et ici là, elle était à $69. Donc il faut vraiment bien regarder, bien réfléchir, parce que parfois c'est pas intéressant d'acheter certaines choses aux États-Unis. Tout ce qui est local des États-Unis, oui, mais tout ce qui est étranger, qui vient hors des États-Unis ou qui est produit hors des États-Unis, ça coûte excessivement cher. Donc de là, on est allé à Victoria's Secret. J'ai pris deux brumes pour le corps et deux crèmes parfumées. Et après, donc ici, j'ai pris ma crème. Et ma belle-sœur avait justement aussi un parfum qu'elle voulait changer ici à Sephora. Donc, on a profité. On a un peu fait le lèche-vitrine. Et on a acheté quelques petits trucs comme ça. Et donc, de là, après, on est parti. On n'a pas duré longtemps parce que c'était trop cher. On s'est arrêté à... J'ai oublié le nom. Donc, ma belle-sœur s'est arrêtée. Elle nous a offert des boissons, des shakers, des boissons à base de... Il y avait ceux qui ont pris du thé, de la mangue et tout ça. Donc, on a vraiment passé du très beau temps, du très bon temps. On a été reçus comme des rois et des reines à Philadelphie par mon beau-frère et ma belle-sœur. Donc ici, je vais vous laisser et je vous dis au prochain vlog, parce qu'on va visiter une autre ville. Mets des likes et abonne-toi pour avoir plus. Bisous.